Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le petit guide Lily. Lily, ce petit personnage tout mignon. Alors Lily, qui est un personnage, un support bien entendu, a plus sa vocation d'être une espèce de fontaine de soins, c'est-à-dire un healer avec beaucoup d'utilitaires malgré tout, mais un healer pur qui va énormément amener de soins pour son équipe. Alors Lily, ses grandes forces, c'est surtout qu'elle soigne beaucoup sur la durée, pas forcément multi-cible, mais elle soigne pas mal de monde, elle peut soigner pas mal de monde. Elle a un ultime qui est très 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 fort, on en reparlera après, pour tenir aussi ses coéquipiers. Alors au départ, l'une des faiblesses de Lily, ça reste quand même le burst, mais même contre le burst, elle a quand même des armes, étant donné que c'est un des rares supports qui a encore une c'est un des supports qui a une purification encore, je dirais, normale, même si elle est un petit peu particulière malgré tout. Elle a énormément beaucoup d'utilitaires, comme je l'ai dit, elle peut apporter pas mal de dégâts supplémentaires, elle a des bons dégâts d'appoint, elle a également des blinds qui la mettent vraiment dans une situation particulière, c'est l'un des rares support qui peut aveugler ses adversaires. Et du coup, ça la met, voilà, comme on l'a dit, dans une situation intéressante. Et par contre, le petit bémol de Lily, c'est que la plupart de ses soins ne sont pas forcément... en fait, ce ne sont pas des skill shots, ce n'est pas vous qui décidez sur qui le soin part. C'est en fonction des pourcentages PV de vos alliés qui sont autour de vous et qui ont le moins de PV en pourcentage PV. Donc c'est quand même quelque chose d'important, parce que si vous vous placez bien, vous pouvez quand même influencer à qui va le heal. Donc ça demande un placement particulier, mais surtout la grande, je dirais, le skill qui est demandé sur Lily, ce n'est pas les skill shots puisqu'elle n'en a pas, mais ce qui va être demandé sur Lily, surtout une grosse gestion des timings. C'est-à-dire que si vous spammez vos sorts comme un abruti, ça ne fonctionne pas. Alors oui, bien sûr, Lily est un perso de type spammer, on va quand même lancer vos sorts très souvent, mais si par exemple vous avez envie de soigner le mec en question et que il y a par exemple un Muradin qui a plus trop de PV mais qui est hors de danger, si vous appuyez trop vite sur le heal, boom, ça part sur Muradin. Alors que si vous vous décalez et que vous allez vers le coéquipier qui en a besoin, vous sortirez de portée du Muradin et vous pourrez soigner la bonne personne. Ce genre de choses est très importante. La gestion des heals, la gestion des timings est super importante pour être efficace avec Lily. Alors je vais justement, on va commencer avec un petit hommage avec ce skin, hein, la personne bambou évidemment le sera. Mais on va tout de suite regarder d'abord un petit peu en jeu ce que ça va donner. Par rapport au guide abattu, j'avais eu pas mal de bons retours concernant la forme, en partant plus de la démonstration pour aller un peu plus vers le théorique après. Plus simple peut-être pour appréhender, on va dire, le personnage au tout début. Donc je vais vous proposer un build. Alors il y a plusieurs builds, mais je vais quand même vous proposer un build que j'ai trouvé le plus intéressant possible sur Lily, qui va beaucoup plus donner du skill. Le rework de Lily a rendu le personnage plus skillé. Je sais, ça peut être bizarre dit comme ça, c'est un personnage qui a toujours été considéré comme l'un des plus faciles à prendre en main et pas spécialement le plus dur à maîtriser. Mais Lily, en fait, c'est, comme je le disais, beaucoup de timing. Et tous ces timings renforce en fait le skill de Lily. Le rework a justement mis en avant en fait la question timing, qui était toujours quelque chose d'intéressant sur Lily et qui a été encore plus galvanisé, je dirais, par le rework. Donc on va se mettre niveau 20, hop, voilà, niveau 20. Alors du coup, Lily, ce qui est très important bien entendu, comme vous spammez vos sorts, hein, on a quand même le passif. Donc je rappelle un petit peu le passif, mais le passif tout d'abord, en fait, c'est dès que vous prenez des dégâts, ça augmente votre vitesse de déplacement. Lily est une vagabonde, et du coup, dès que vous prenez des dégâts, eh bien ça réduit le temps de recharge de vos capacités, donc vraiment encore dans le côté spammer. Et c'est un passif hérité du Kung Fu Fu, qui était un niveau 20 de Lily auparavant, qui a disparu, qui a été intégré de base en version nerfée, qui est super intéressante. Et en plus, ça augmente la vitesse de déplacement de 10%, c'est à dire que si je prends des dégâts, que ce soit des héros ou des sbires, whoop, vous voyez, il y a un petit effet de vitesse qui part, et du coup ça me permet d'être beaucoup plus rapide. Regardez, hop, j'ai pris une petite flèche dans le genou. Contrairement aux autres aventuriers, Lily, eh bien, va encore plus vite quand elle a pris une flèche dans le genou. Voilà, c'est un peu la Rambo des Pandarennes, hein, bien entendu. Et à côté de ça, donc, vous avez le soin de base. Vous voyez, c'est 4 secondes CD. Sachant que si vous prenez dégâts, ça réduit le CD en plus, hein, en 50% de plus vite le temps de recharge. Donc c'est quand même pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, eh bien, vous voyez, il y a une petite marque autour en fait de l'allié en question. Il y a une petite marque, vous voyez, des petites écritures Pandarennes. Et du coup, le heal part sur la cible. Vous voyez, hop, dès que je l'ai, le heal part sur la cible. Et c'est quand même des montants pas dégueux, 417 de PV toutes les 4 secondes. Bah c'est des petits soins quand même qui sont loin d'être ridicules. Et vous voyez, si par exemple, là je vais me soigner, j'ai pris des dégâts, ça va... Non, ils veulent pas me taper. Vas-y, mais tape-moi Arthas, tape-moi, tapez-moi. Regardez le temps de recharge qui s'écoule beaucoup plus vite. Et du coup, je peux re-soigner. Donc ça, c'est très intéressant. Attention quand même à pas vous rentrer en plein dans la mêlée, hein, pour se faire défoncer. Mais si vous pouvez prendre des petits dégâts, ou même par exemple des petits dégâts de temps en temps, des petits dégâts, juste
un tout petit peu, eh bien, ça permet de d'écouler plus vite. L'idée, c'est de ne pas rentrer la tête la première pour prendre tous les dégâts, hein, sinon vous mourrez, vous ne soignez plus. Mais l'idée, voilà, c'est que même quand vous êtes en état critique, vous allez pouvoir soigner vos alliés. Et ça, c'est la grande force. Donc, un petit soin. Le coût en mana n'est pas très grand, mais vous allez voir, comme vous spammez, eh bien, ça part vite, le mana. Ça part très vite. Donc, à côté de ça, on a le serpent nuage, le Z, qui invoque un serpent nuage sur la cible. Donc, vous ne pouvez pas la lancer, c'est que sur des héros. Vous voyez, on peut même soigner les sbires, hein, ça c'est quand même assez intéressant, c'est un des rares supports qui peut le faire. Donc par exemple, j'appuie sur Alt Z, bouf, il y a un petit serpent sur moi qui pop, et vous voyez, le serpent quand il attaque, il me soigne un petit peu, 44 de PV, vous voyez, par auto-attaque du petit serpent. Et ça, c'est par exemple, vous le mettez sur un Illidan, sur un corps à corps, sur un Greymane, etc. Quelqu'un qui est dans au contact, bah, c'est des petits soins en plus qui lui permettent de temporiser ses propres heals, etc. Et qui vous permet de temporiser aussi les heals de l'infusion requinquante. Donc c'est quand même assez intéressant. Et Lily, du coup, peut soigner deux personnes en même temps. Regardez, moi je me soigne là. Et imaginons qu'il y a un mec qui a encore plus besoin, bah, oup, le soin part sur une autre. Et si vous voulez renforcer le soin sur la même personne, bah, ça marche aussi. Donc ça, c'est très intéressant. À côté de ça, le E. N'oublions pas qu'un support ce n'est pas que du heal, qu'on ne confondait pas support et healer, puisque le heal est une manière de support, mais il n'y a pas que ça. Et en l'occurrence, Lily a le vent aveuglant, comme on le disait, qui a un temps de recharge beaucoup plus long, mais qui va aveugler l'ennemi, et du coup, eh bien là, c'est je bloque 100% des dégâts infligés par les auto-attaques. Et l'aveuglement est très très intéressant. En plus d'infliger des bons petits dégâts, c'est surtout 1,5 secondes de blind, et ça, c'est vraiment très très bon. Donc voilà pour les compétences de base de Lily, c'est pas très compliqué, on va pas se mentir. Donc, personnellement, le niveau 1 que j'adore, c'est la boisson gratuite. Le temps de recharge d'infusion requinquante est réduit de 1 seconde et son coût en mana est restitué si elle affecte un héros qui dispose de moins de 50% de son maximum de points de vie. Donc si quelqu'un est à moins de 50% de son CPV, le heal est gratuit, donc ça vous redonne du mana. Et vous baissez le temps de recharge d'une seconde. Le temps de partir, vous avez vu, vous êtes déjà quasiment à une seconde. Regardez le temps de recharge. Le temps que ça part, vous avez quasiment une seconde d'écoulée. Ça vous fait deux secondes de CD. Et imaginez, vous prenez des dégâts. Bah là, vous tombez quasiment à une seconde de temps de recharge. C'est assez énorme. Hein. C'est vraiment un très très bon sort. Attention à bien anticiper quand même, parce que vous voyez, il y a quand même un temps de traveling, un temps de transport entre le heal et vous. Et vous voyez, là par exemple, je suis pas en portée de heal. Là, je suis à portée. Là, je suis pas à portée. Du coup, là, je suis à portée, je peux soigner. Si je me mets là, bah, je peux soigner quelqu'un d'autre. Si, par exemple, imaginons le champ de bataille est ici, vous avez un Muradin qui a tout tanké pour lui et qui ressort du combat, bah, c'est pas à lui de soigner en urgence, c'est peut-être le Thrall qui est à côté et qui est en train de se faire défoncer. Donc, si je m'approche là, bah, le heal va partir sur Muradin et c'est pas un heal qui va partir sur quelqu'un qui est en danger. Donc, on se repositionne, on se met un heal par là et c'est Thrall qui prendra. Vous voyez un peu là où je veux en venir. Et c'est aussi pour ça que la vitesse de déplacement fait partie du passif de Lily. C'est le but, c'est de gérer le positionnement avec Lily. Donc, ce niveau 1 est juste super fort. Le niveau 4, on va prendre le slow. Ah mince, je me suis un petit peu trompé. C'est parti un peu vite. Le slow est super intéressant. Ça permet d'ajouter quelque chose dans le kit de Lily qu'elle n'a pas, c'est-à-dire des contrôles. Un slow sur le blind. Donc, c'est un slow qui touche deux personnes potentiellement. Vous voyez, c'est un petit slow, mais qui peut permettre d'aider un petit peu vos coéquipiers à s'enfuir, etc. C'est très très bon. Que ce soit pour attaquer ou pour défendre, c'est toujours très intéressant. Nous avons enfin la purification en route, hein, la purification, vous avez un allié qui se fait attaquer, boum, vous avez une purification. La force de cette purif, c'est une purification un peu particulière, elle a 40 secondes de temps de recharge, donc par rapport à une purif c'est 60 secondes, donc ça va, et surtout ça rend 307 points de vie à un héros allié qui devient insensible aux effets de contrôle pendant une seconde. C'est quand même la seule purification du jeu qui soigne, c'est quand même énorme. Et en plus de ça, le temps de recharge d'en route est affecté par Prompeton. Donc si je prends des dégâts, regardez, allez, tapez-moi messieurs, vous voyez, le temps de recharge de la purif revient plus vite. Du coup, eh bien, le temps de recharge de la purif peut atteindre beaucoup moins 40 secondes de CD. C'est ça qui est juste excellent. Et c'est une purification, encore une fois, qui soigne. Après, je ne peux pas la mettre sur Lily. On ne peut pas la mettre sur Lily, bien entendu. Mais donc, c'est quand même super intéressant. Parce que le petit dragon, plus le heal, plus la purif, ça commence à faire beaucoup de soins. Et la purif qui va soigner au moment où il y a un contrôle, bien entendu, c'est pas à spammer pour mettre un soin, même si le soin est bon. C'est quand même quand il y a un effet de contrôle. Mais même sur un slow, même sur un route, etc., bah, vous pouvez purif, puisque ça peut sauver le mec. Et vous avez à l'avoir un temps de recharge relativement réduit, donc on peut la lancer sur les moments importants. Il faut surtout pas hésiter à la lancer. Du coup, ça c'est l'en route. Sinon, on a un autre talent qui est intéressant, c'est le remède miracle. On y reviendra après, mais le remède miracle qui va soigner de 92 PV supplémentaires en 3 secondes. Donc s'il n'y a par exemple pas forcément besoin de la purification, 92 points de vie supplémentaires en 3 secondes tant que Propeton est actif, ce montant est augmenté de 100%. Donc si vous prenez des dégâts, ça met un petit soin sur la durée qui est quand même très intéressant. Maintenant, la purif, elle aussi, rend 307 et c'est du burst heal, donc ça peut quand même être très intéressant, même s'il n'y a pas de
contrôle en fait. Le niveau 10, les gourdes 1000 tasses, c'est juste exceptionnel. Gourde à 1000 tasses, on l'a dit, Lily n'a pas de réponse au burst. Vous voyez, le mec se fait détruire en une seconde. Bah, le temps que la petite fiole elle arrive, ça suffit pas toujours. Et du coup, si vous voyez qu'un burst part, vous pouvez partir sur l'ultime. Ça met un temps d'incantation quand même assez grand. Mais ensuite, le montant de soins est juste extraordinaire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. 4000 de soins. 4000 de soins. Ce truc est monstrueux. Cet ult est monstrueux. Et il a que soit. Alors, c'est un petit peu nouveau avec le rework. C'est-à-dire que c'est marqué temps de recharge 20 secondes, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que si vous faites annuler. Le temps de recharge est de 20 secondes, mais le truc c'est qu'en fait ça va dépendre du temps de casting time qui a été fait. Donc ça peut en fait monter à 70 secondes de CD. Si vous allez jusqu'au bout, vous voyez, je vais mettre les temps de recharge. Vous voyez, si je mets le temps de recharge, hop, voilà, on enlève. Ça se canalise jusqu'au bout. Et vous voyez, j'ai 63 secondes vu que ça dure 6 secondes. Donc vous avez à peu près 63 secondes de CD. Hein, puisque c'est 7, mais le temps que ça s'écoule, ça fait 63. Enfin, ça fait 63. Bon. C'est à peu près 60 secondes CD, il faut se dire ça. Puisque ça dure quand même 6 secondes. C'est à peu près 60 secondes de CD. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez. Enfin, c'est un CD super court pour un montant de heal absolument énorme. Alors cette ultime n'est pas à utiliser hors fight. Sauf si vraiment vous voulez faire un rush core, etc. Mais cet ultime, il est utilisé justement pour anti-burst. Vous voyez qu'un mec va se faire détruire. Il faut lancer le sort avant, bien entendu. Parce que vous avez vu, regardez le mec, avant de partir, il y a au moins une bonne seconde avant que ça parte, quoi. Donc il faut anticiper. C'est un ultime d'anticipation. Un petit peu comme une guérison ancestrale de Régard. Il faut anticiper quand le mec va mourir. Et vous allez claquer la gourde à Miltas à ce moment-là et le sauver. Faut pas la lancer trop tard, sinon ça ne passera pas. Mais il faut prémunir ça. Et le mec qui se fait burst, il va recevoir des montagnes de soins. Et ça va le tenir un petit peu à l'image d'une Morales aussi. Ça va être très très fort. Donc vraiment intéressant. Attention quand même, pendant que vous mettez la gourde à Miltas, vous ne pouvez plus lancer vos autres sorts. Donc ça peut être un petit problème. Donc. Et essayez de bien penser à ça. Si vous avez le temps, bien entendu, essayez peut-être de mettre un heal, un aveuglement, et ensuite de claquer l'ult très rapidement, qui vous permettra peut-être de sécuriser la guérison ancestrale. Et là-dessus, ça ressemble beaucoup à Régard. Hein. Régard, vous allez mettre bouclier de terre plus le heal, même bouclier de Nexus pour placer votre guérison ancestrale. Donc ça peut être un outil justement. Donc pensez bien à faire ça. À côté de ça, au niveau 13, alors les 3 13 sont vraiment intéressants sur l'île. Les nouveaux paliers sont quand même intéressants. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est la durée de l'aveuglement. La durée de l'aveuglement qui prolonge d'une seconde. Donc ça fait 2,5 secondes de blind. C'est quand même assez énorme. Et en plus, pendant ce temps, vos auto-attaques critiquent. Et ça, c'est super intéressant. Donc vous voyez, les deux auto-attaques font quand même très très mal. Hein. 230 de dégâts sur les autos, c'est quand même pas dégueu. Mais surtout, en fait, le mec est quand même blind pendant très longtemps. Et ça, c'est de l'utilitaire direct. Puisque vous bloquez encore plus longtemps les dégâts infligés par les ennemis. Et donc ça, c'est vraiment très très fort. Niveau 16. Alors niveau 16, on a deux niveaux 16 qui sont excellents et qui vont un petit peu dépendre des situations. On a tout d'abord la double dose. Quand il y a beaucoup de dégâts de zone, etc., la double dose est géniale puisqu'elle porte à deux le nombre d'alliés auxquels infusion requinquante rend des points de vie. Donc vous dirigez un peu plus sur qui va partir le soin, étant donné que vous pouvez soigner, en fait, par exemple, là, tout à l'heure, comme je disais, Muradin Thrall. Bah là maintenant, à partir du 16, vous pouvez soigner à la fois le Muradin et le Thrall. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Petit bémol quand même, ça augmente le temps de recharge d'une seconde. Après, le temps de recharge de base est de 5 secondes. Vous bénéficiez de la diminution du temps de recharge d'une seconde quand même avec le 1. Pour info, si vous posez la question, si vous commencez un petit peu à théoricrafter le truc, ça ne fonctionne pas avec les deux héros. C'est-à-dire que si les deux sont en dessous de 50%, on pourrait dire c'est pas grave, ça réduit de 2 secondes. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionnait pas. Peut-être qu'un jour, Blizzard changera le truc, mais à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas. Donc, n'y pensez pas. Par contre, ça annule toujours, bien entendu, le coût en mana du Q-spell si vous touchez l'un des deux qui a 50%. Donc, ça, c'est toujours cool. Sachant que vous profitez quand même de la seconde en moins, vous pouvez annuler l'effet secondaire grâce au niveau 1, donc ça c'est quand même très intéressant. Sinon, donc ça c'est plutôt de manière générale je dirais, mais de manière aussi très intéressante, c'est le montant de points de vie rendu par l'infusion requinquante au héros augmente de 33% s'il dispose de moins de 50% le maximum de points de vie. Donc dans une approche un peu plus anti-burst mono-cible, le coup de fouet peut être très intéressant. Si un mec se fait quand même bien burst, ça peut le requinquer énormément, hein. Le petit heal en plus, c'est toujours très cool, et celui-là n'a pas d'effet secondaire négatif comme c'est le cas de la double dose. La double dose, elle s'activera toujours, donc c'est le talent un peu plus générique, je dirais. Mais le coup de fouet face à du burst mono-cible, c'est beaucoup plus intéressant. Donc on peut penser au coup de fouet. À côté de ça, le niveau 20, donc on va plutôt prendre la double dose de manière générale. Au niveau 20, vous avez la gourde à 1 million de tasses, qui est juste extraordinaire.
Elle touche deux alliés à la fois. C'est 4000 de heal sur deux personnes. C'est 4000 de heal sur deux per... enfin sur toute l'équipe bien entendu, mais 4000 de heal sur deux personnes. Donc vous doublez les soins. Vous passez de 4000 de heal à 8000 de heal en fait. C'est dingue, c'est juste dingue le montant en fait de soins que vous donnez. Alors là ça servira à rien étant donné que bah si j'ai mis ça au million, enfin là je l'ai pas pris mais si je le mets à 1 million de toute façon il n'y a pas... Je crois pas que ça touche le mec deux fois. On va quand même réessayer mais je suis pas certain. Non c'est juste que ça touche une personne, c'est bien ça. Ça n'augmente pas le heal mais voilà contre beaucoup de dégâts de zone ça va améliorer énormément votre montant de soins. Parce que ça va toucher deux personnes en même temps donc c'est dans des teamfights c'est juste dingue. Là il y a un seul mec. C'est sûr que là, dans ce genre de cas, c'est pas forcément fou. Donc justement, dans les cas où bah, c'est peut-être plus du dégât mono-cible, etc. chez l'ennemi, peut-être que plutôt que de partir sur 1 million de tasses, on peut partir sur d'autres talents. Et à ce niveau-là, au niveau 20, nous avons deux autres talents qui peuvent être pris. L'ébrouement, qui confère 8 points d'armure par seconde tant que Prompeton est actif. Ça vous permet d'être beaucoup plus tanky tant que le Prompeton est actif. Ce qui est très intéressant, jusqu'à un maximum de 30, hein, 30 d'armure quand même pour Lily. Et ça vous permet de prendre un peu plus de risques en fait, pour récouler vos CD en fait. Ça vous prend plus de risques et du coup ça active beaucoup plus votre passif tout en ayant de l'armure. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Ça c'est quand même intéressant. Donc vous êtes beaucoup plus tanky, vous pouvez prendre plus de risques et du coup écouler plus facilement vos temps de recharge et du coup soigner plus de monde. Ça c'est quand même un truc qui est intéressant. Après au final c'est un peu contre-mécanique parce que si vous prenez des dégâts bah, vous aurez besoin de soigner peut-être plus de mecs. Donc c'est un petit peu le problème. Et sinon la tisse brume qui est bof, qui est pas terrible. Mais bon, il a un temps de recharge qui est quand même relativement court et ça permet d'activer 362 points de vie. Si vous vous rendez bien compte, la Purif rend quasiment autant de PV. C'est un peu dommage. Donc, aux héros alliés proches, les attaques de base et celles du Serpent Nuage réduisent le temps de recharge d'une seconde. On pourrait se dire que ça vous permet de le spammer, etc. Mais globalement, pas tant que ça au final. Pensez bien auto-attaque, oui, mais le temps de recharge est pas non plus dingue. Le soin est pas vraiment incroyable. Le soin est vraiment pas incroyable. Un bouclier du Nexus aurait été bien meilleur. Donc voilà, ça c'est le. Je le remets. Je remontre un petit peu le build. Mais on va partir plutôt comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La durée, la double dose. Et au 20 cours d'un million de tasses. À gourde d'un million de tasses qui est juste excellent. Donc voilà, ça c'est le build un peu plus générique de Lily, très utilitaire, beaucoup d'aide, beaucoup de soins, beaucoup d'utilité à apporter à l'équipe. Et en même temps, vous allez avoir quand même des bons petits dégâts d'appoint entre les auto-attaques qui crit. Pensez à bien auto-attaquer avec Lily, c'est très important. Elle fait quand même des bons coups, hein. Elle a une bonne portée, elle attaque assez vite. Enfin, n'hésitez pas, c'est vraiment des dégâts importants. C'est toujours des choses qui peuvent jouer entre la vie et la mort pour un ennemi. Donc pensez à bien auto-attaque. Bien sûr, pensez à activer votre dragon serpent, Alt-Z si vous voulez mettre sur vous-même, sinon Z sur un allié pour l'envoyer, etc., etc. Donc ça c'est le build un peu plus classique. Sinon, nous avons le serpent, le build serpent avec la Purif par exemple, gourde à 1 million de tasses. Et donc ça, en fait, ça va être un peu plus sur le serpent. Moi, à l'heure actuelle, je n'aime pas trop le build serpent. Contrairement à avant, il faisait beaucoup de dégâts le build serpent. Maintenant, c'est pas énorme, c'est pas extraordinaire, mais ça peut toujours être intéressant. Malgré tout, dans une approche un peu plus de dégâts. Mais honnêtement, même avec le build heal, vous allez avoir un montant de heal qui est dingue et vos dégâts vont pas être ridicules. Donc l'apport du build serpent, à l'heure actuelle, je suis pas très fan. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien, donc j'en parle, mais je le conseille pas forcément. Au niveau 13, on prendra plutôt Vortex de masse pour augmenter les dégâts contre les héros et surtout toucher 3 personnes, qui est quand même assez intéressant puisque vous avez bon, des synergies qui peuvent être pas mal, hein. C'est assez cool. Au niveau 16, vous avez la bénédiction de Yulon qui augmente le soin, en plus du soin de base du petit serpent, ça augmente à 1,5% de maximum de points de vie en termes de heal à chaque tir du dragon serpent, enfin du serpent sur un allié. Et ça par contre c'est très très fort, hein. Ça c'est vraiment très très fort puisque bah, par exemple sur un Muradin, etc., le machin il va se soigner énormément. Et au niveau 20, on prendra peut-être les broumants ou les gourdes d'un million de tasses pour pouvoir soigner plus facilement. Encore une fois, les broumants, bah, vous aurez plus de prompetons, du coup vous pouvez poser beaucoup plus de serpents aussi. Donc ça c'est toujours intéressant. Sinon, on pourrait dire le passif, les talents sur le passif, à l'heure actuelle sont peut-être un petit peu en dessous par rapport aux talents classiques, je dirais. Donc un build basé sur les dégâts pris. C'est un peu dommage parce que bah, le 20 on en aurait besoin bien avant en fait. Donc c'est un petit peu compliqué pour jouer sur un build passif qui peuvent être un peu en dessous. Par exemple la vraie aventurière qui augmente la durée de Prompeton, etc. En fait ça met trop de temps à scale et à être intéressant. Donc j'aime pas trop, je vous avoue que j'aime pas trop. Mais on peut quand même les considérer. Et au niveau 7, bah, toujours la purée puisque le rebondisse vers les héros, c'est pas si fou que ça. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire sur le papier c'est vachement bien. Sur un mille serpent, on pourrait dire le serpent au 7. Bah, vous avez toujours besoin d'une purif malgré tout. Et puis c'est toujours des heals supplémentaires. Mais surtout,
le serpent qui rebondit vers 2 héros supplémentaires pour infliger 50% des dégâts initiaux. Pareil pour le heal. Regardez les dégâts, hein. Le serpent il inflige 57 de dégâts, donc 50% de 57 de dégâts ça commence à faire pas beaucoup, hein. Donc c'est pas extraordinaire, c'est pas extraordinaire le niveau 7 du petit serpent. Donc on préférera prendre la purification malgré tout. Voilà, donc pour le build serpent, sinon comme je l'ai dit, bah, les builds sur le passif à l'heure actuelle, donc sur le prompeton, sont peut-être un petit peu faiblards à l'heure actuelle, c'est un peu dommage. Il y a des choses intéressantes, mais ça suffit pas pour rendre vraiment Lily très très fort. Enfin vraiment, comme je l'ai dit, le premier build basé sur les soins, etc., est vraiment très très fort. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce guide Lily vous a plu, vous aidera un petit peu à mieux cerner le personnage. Lily, honnêtement, moi je la trouve très sous-estimée à l'heure actuelle, c'est très très fort. Elle a pris des énormes ups, faut savoir que tous les supports ont été nerfs, elle a pris des ups, mais de l'infini. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un personnage qui est très très sous-estimé. En solo queue, c'est certain, elle a un très bon win rate, elle fonctionne vraiment bien. Mais même en professionnel, je pense qu'elle est très sous-estimée. Parce que dans une méta où du Tikus ou du Greymane, même du Illidan, etc. peuvent revenir, bah, elle a des réponses contre ce genre de personnage. Même contre Tracer, elle a des réponses. Donc il faut vraiment pas croire que Lily c'est nul. Au contraire, elle est très sous-estimée à l'heure actuelle. Voilà, en tout cas j'espère encore une fois que ce guide vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner évidemment, partager tout ça. Le guide écrit il sera dans la description. Alors il sera dans la description bientôt de toute façon. Si jamais il ne l'est pas au moment de la sortie de la vidéo, dans quelques jours après ou quelques semaines, il y sera, c'est certain, puisque j'ai déjà réalisé le guide écrit. C'est juste une question de temps avant qu'ils sortent. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des observations, mettez-les en commentaire, ça sert pour ça. Si vous avez d'autres des choses qui vous passent par la tête, n'hésitez pas aussi en commentaire. Je rappelle que ça aide aussi un petit peu à la visibilité de la vidéo. Donc moi je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ça à tous vos amis joueurs de Lily, tous vos amis support bien entendu. Je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus.